Oh la game. Il me tue pas là hein. Non. Si toi aussi tu veux participer à la protection détruite, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de lâcher ton plus beau pouce bleu. Salut à toutes les truites et truitesses, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pack opening. Regardez-moi tous ces coffres qui nous attendent, coffres en bois, couronne, super magique, magique épique, géant. On a la totale, on a également deux très bons coffres, le coffre de tournoi, un petit coffre 25 cartes qui fait plaisir, un petit coffre 185 cartes avec 5000 pièces, c'est toujours ça de prix. Mais surtout, un coffre de clan, je leur ai dit de faire péter les coucous, c'est mou hein. Bon, faut dire que là on est en période de course, c'est pas évident, on est 7 de connectés dans le clan, donc on est sur le compte d'un abonné, c'est Alexis, 3262 trophées, record à 3323 du clan Parabellum, et Théo Vivaldi qui est un de ses frères et en fait qui m'a démasqué, je me suis dit what the fuck, et il dit en fait un salut c'est non, j'ai rien dit, j'ai rien fait, du coup je me suis dit what the fuck, il y a un espion, qu'est-ce qui se passe, donc non, tout va bien, c'est normal, ce qu'on va faire mes petites tweets, c'est attaquer tout de suite l'opening, on va commencer gentiment avec les petits coffres en bois, ok, on commence tranquille, tiens j'ai même pas regardé les légendaires qui lui manquent, on va regarder avant quand même ce qui, wow, il y en a masse. Molosse, Dragon TDE, Sorcier électrique, Cimetière, on a la bûche, la princesse et le Sorcier électrique. Alors je sais pas exactement ce qu'il aimerait avoir, peut-être une bûche, un Sorcier électrique, un Cimetière, on va voir, peut-être les trois, go taper les trois, comme ça on n'en parle plus, allez let's go. Petit coffre en bois ici encore, ok une cabane de gobelins, 11 esprits de feu, nul, on va se faire les petits coffres ici tranquillement. Petit coffre de tournoi à 25 cartes, 175 pièces, 2 pompeurs de jus, 22 bombardiers. Oh, c'est une épique! C'est dommage. Bon, on prend quand même un petit PK qui fait plaisir. Enfin, un gros PK, une grosse PK, j'ai envie de dire. Donc, non, plutôt nice. On fait quoi? On fait quoi? Le petit coffre à couronne, coffre géant. Oh, putain, on a un coffre de clan aussi, les amis. Ils ont été très rapides sur leur coffre de clan. Sincèrement, je suis impressionné. Deux gemmes, ok. Du gobelin. Trois boules de feu. Ouais, non. Il manque de la commune, malheureusement. De la fournaise et du canon. C'est pas ouf, ça, comme canon. Qu'est-ce qu'il joue comme carte? Les barbares d'élite, il joue. Il a le mineur, ok. La boule de feu, il aime. Le zap. L'AMG. Wow, ça, ça sent le deck troll. Ok. Et là, on a de la tornade. Du géant squelette, ok. Clonage niveau 1, ok. On risque de débloquer pas mal de clonage. Bon, on va se faire le. Bah, tiens, en parlant de clonage, on va se faire un petit coffre épique, comme ça. Deux tornades. C'est bon. Du clonage, allez, de la bonne main. 6 PK, ok. Oh, 9 rage, et ça, c'est la déception, les amis. Grosse, grosse déception. On va enchaîner par quoi? On va enchaîner par le G. Du coup, le G. 1600 pièces. Du GDG, ça c'est bien le GDG, c'est une très très bonne carte. On a du pompeur de jus, et on termine avec 273 gargouilles. C'est bien ça les gargouilles à 3. Bah on va se faire le magique, puis coffre de clan, puis on terminera par le plus beau, le super magique. 617 pièces, 1 chevaucheur de cochon, 4-3 mousquetaires, 5 valkyries, 6 sorciers, 7 fournaises. Nul! On va se taper toutes les épiques, allez de la bonne. Mais non! Mais c'est quoi ce pack opening de... J'y arrive pas! Je n'y arrive pas là! La chance qui n'arrive pas... à sortir de mes doigts, bah du coup qu'est-ce qu'on va balancer? Bah le coffre de clan, allez là faut taper une légendaire là et une sur l'autre, s'il vous plaît. 3150 pièces, 45 archers, 58 géants royal, 77 barbares, 78 gobelins, 2 épiques, ok le géant squelette j'en peux plus, ce géant squelette, 24 mini PK ça c'est nice, 29 cabanes mais c'est ignoble. Oh là là, 208 portugais super saiyan, ça c'est nice, mais on va terminer avec des épiques, pas de légendaires. 4 gardes. Waouh. C'est ignoble. C'est ignoble ce qu'on est en train de sortir. On va tout donner du coup pour ce super magique. Hey, please, Supercell, respectez-moi. Faites-moi péter du gros là. On veut du gros. 6 sorciers. Ok, de la tour à bombe. 48 golems de glace, ça c'est très bien. 523 mortiers, ça sent la légendaire. 76 mini PK, on a toutes les rares. On a toutes les épiques, malheureusement. De la tornade, on n'en voulait pas. 23 tornades, ça reste quand même énorme. Il va pouvoir la monter pour du niveau de tournoi. La tornade quand même qui commence à revenir à la mode. On va terminer avec la légendaire. La légendaire d'une vie.
Oui, la bûche. Mais oui, monsieur, c'est un sort. Mais c'est une carte qu'on a quasiment dans tous les decks. Donc vraiment, ça, c'est nice, la bûche, pour l'abonné qui va être content. DGG sur le chat, dites-moi ce que vous aimeriez, ce que vous auriez aimé avoir, vous, en légendaire sur ce coffre super magique. Mais du coup, non, vraiment, vraiment nice et ça fait plaisir. Du coup, mes petites tweets, on va faire une attaque en live. Et là, ce que je viens de voir, c'est que sur son coffre de clan, parce qu'on est bien sur son compte encore, le compte de l'abonné, on va faire l'attaque sur son compte. Le coffre de clan, regardez, en fait, il l'a accumulé. Et quand vous le gardez, il disparaît pas. Vous avez quand même l'autre, donc c'est génial. Il va quand même pouvoir être éligible à l'autre. Moi qui pensais que il s'était... Et du coup, mes petites tweets, on va se terminer avec une petite attaque en live. Alors, petite subtilité ici, regardez-moi le coffre de clan. Moi qui pensais que c'était ce qu'il l'avait déjà fini. En fait, c'était celui d'il y a une semaine ou deux semaines. Donc, ça date un petit peu. Et il l'a gardé, en fait, tout ce temps. Et ça lui a pas fait perdre son coffre. Donc, ça, c'est une chose importante à savoir. C'est pour ça que je vous montre ça. Alors, on va faire une petite attaque avec son deck. Alors, j'ai vu qu'il avait deux decks. On va quand même jouer le deck qui me semble un peu plus cohérent. Celui-ci avec le mineur. Un zap bait assez spécial. Alors, moi, j'aurais fait des changements. Mais on va laisser tel quel. On va pratiquer avec son deck. Hein. On va pas changer son petit compte. On va tout laisser tel quel. Et on va aller masser du litchi avec ça. Et c'est parti. Ok. On va commencer avec du grattage. Ça va me rappeler un petit peu à l'ancienne. Quand j'allais gratter avec le combo mineur gargouille à 3. Et regardez comme ça fait le taf. On va boule de feu ici. On a forcé une boule de feu. C'est pas mal. On a gratté en même temps. Ok. Là, on panique pas. L'armée squelette pour défendre. Portugais Super Saiyan niveau 11 quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Oh, Francis. Calme-toi. Ok. Alors c'est un niveau 10, mais c'est un bon niveau 10. Je sais pas lui, il a des cartes combien. Mais j'ai l'impression de pas être très serein là, les amis. J'ai l'impression que ça sent la fessée. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Part sur un split? Ouais. Non, non, je les ai lâchés, je voulais pas. Je voulais mettre la méga, bon c'est pas grave. On a sorti le mineur, regardez, il y a un portugais Super Saiyan là-bas qui va tout droit. Ok. Oh, le portugais Super Saiyan qui a fait beaucoup de dégâts à gauche. Ok, la petite méga ici pour tanker hein, ses esprits de feu. Eh, c'est tendu, il m'a fait beaucoup de dégâts. Hein. Fournaise niveau 8. Putain, mais il a des cartes de mon niveau, le gars. De mon niveau. Allez, on y retourne. Rajouter les petits gobelins lance avec. Ah, c'est bien fait. Ah là là, c'est super bien fait. Oh, le cochon, il sort tout ce cochon sauvage. Ok. On va ignorer ce portugais Super Saiyan et on va balancer les deux nôtres. Ouais, cool, ils vont tout droit. Un boule de feu ici. Oh, la défense qui a été propre, les amis. Il est en train de me mettre sous pression. J'ai perdu, hein. Mais cochon 8. J'ai des gobelins à lance 9. Oh là là, les portugais Super Saiyan niveau 11, clairement, ils font le taf. Ils sont pas là pour cultiver la merguez. On va poser l'armée squelette ici pour défendre. Oh, on va voler la tour, les amis. Ok, nickel. Nickel, on vole la tour. On prend la fournaise et ça c'est propre. Ok, on défend comme on peut. J'ai un peu chié là sur la défense. On va boule de feu. Il a plus que 500 PV hein. Oh, non. Ah, oh, j'ai eu chaud. J'ai eu très chaud. Il a cochon, les amis. Hein. Il a pas mis de coup. Oh, la game. Il me tue pas, là. Hein.
Non. Oui, monsieur. C'est Game of Thrones. Oh, on l'a fait. On lui a massé les litchis à ce bonhomme. On lui a massé les litchis, les amis. Jamais. Oh. Oh, regardez. Comme rare 9, commune 10, 11, méga gargouille 8, boule de feu 8, ça va, la vie est belle, hein, bûche niveau 2, eh, la vie est belle. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'on t'a massé le litchi avec un deck qui n'était pas piqué des hannetons non plus. Hein. Sincèrement, j'ai vu mieux, ça manque de bâtiment défensif. Les gobelins longs, je pense clairement qu'ils n'ont pas leur place ici. Un deck un petit peu brouillon, je t'invite à aller regarder les decks top 1, top FR pour trouver des decks un petit peu plus solides que ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mes petites tweets. Si c'est le cas, faites péter les pouces bleus, les commentaires, et je vous dis pour ma part à très très vite pour une nouvelle vidéo.